Salut les astros, où que vous soyez sur cette planète, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente Astrogénérateur pour préparer vos soirées d'observation. Allez, c'est parti. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir Astrogénérateur. J'ai ici le raccourci sur mon bureau pour ouvrir Astrogénérateur que vous trouverez sur internet très facilement en tapant Astrogénérateur dans votre moteur de recherche. Vous téléchargez le programme, vous l'installez, c'est facile. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment générer une soirée grâce à ce petit logiciel. D'abord, il va falloir le personnaliser. C'est-à-dire que vous allez lui donner votre localisation, c'est-à-dire votre département hein, ou votre pays. Donc là, France 59. Et puis ensuite, vous avez la liste de toutes les villes. Enfin, de toutes les grandes villes ou les villes en tout cas importantes. Vous choisissez celle qui vous conviendra le mieux. Voilà. Et les coordonnées sont déjà affichées. Vous pouvez ajouter un autre lieu d'observation si vous faites des déplacements avec un club d'astronomie, si vous partez en vacances, etc. Ensuite, le télescope. Donc ici, j'ai deux télescopes qui m'intéressent. Le 114-900 et ma 70-900 Astro Junior Bresser. Donc, sont des télescopes que j'ai ajoutés à la liste. Vous avez toute une liste native, hein, des Celestron, des Dobson, des Maksutov, des Orion, des Skywatcher, etc. Voilà, tout simplement, pour ajouter un télescope, c'est simple. Ici, vous mettez le nom du télescope, hein, peu importe le nom. Vous choisissez son diamètre, sa focale, éventuellement sa marque dans la liste. S'il n'y a pas de marque, vous mettez APM, hein, pas de marque. Et vous ajoutez ici le télescope en cliquant sur ce bouton. Les oculaires, c'est la même chose. Vous avez ici la collection des trois oculaires que je possède, 10, 20 et 32 mm. Il suffit simplement d'ajouter, par exemple, si vous avez un 12 mm, voilà, vous ajoutez un 12 mm à votre collection. Vous pouvez le supprimer également. Voilà, donc il y aura sans doute des oculaires déjà préprogrammés. Moi, je les ai déjà changés. Le générateur, eh bien, ça va vous permettre de paramétrer la soirée, notamment la hauteur d'observation. Si vous avez des obstacles, collines, montagnes, immeubles, maisons, etc., au-dessus de l'horizon, eh bien, vous pouvez dire, voilà, moi, je vais observer uniquement les objets au-delà de, je sais pas moi, 31 degrés au-dessus de l'horizon pour être sûr que je les vois. Parce que si je les mets en dessous, ils sont cachés. Hein, cachés par une colline, par exemple, ou autre chose. La pause entre chaque objet. Donc, vous observez un objet. Une fois que l'observation est terminée, vous pouvez paramétrer une pause. Donc, moi, je mets généralement 10 minutes. Ça me permet de changer d'oculaire, de chercher après un filtre, de manger une petite barre de chocolat si j'en ai envie, boire un café, ou tout simplement prendre mes jumelles pour regarder ce qui se passe tout autour de moi. Vous avez ensuite à paramétrer le type d'objet que vous voulez regarder, donc des amas. Hein, je n'aime pas trop les amas, ou les amas avec des nébuleuses, voilà, par exemple. Amas globulaires, les amas ouverts, les nébuleuses planétaires, voilà, les nébuleuses à réflexion, les nébuleuses planétaires, je vais les mettre à zéro parce que généralement elles sont petites et j'ai du mal à les voir avec ma petite lunette. Mais bon, allez, on va quand même mettre deux. Les étoiles doubles et triples, donc si vous voulez observer des étoiles doubles, hein, vous pouvez, ou triples, système triple, vous pouvez monter ça. Les galaxies, c'est pareil, je laisse généralement à zéro parce que j'ai pas les, à mon avis, les instruments pour. Allez, on va mettre comme pour les nébuleuses planétaires, on va le mettre à 2. Et puis ensuite le PDF. Donc, tout ce que va générer le PDF, parce que Astrogénérateur va vous créer un PDF que vous allez pouvoir imprimer avec une imprimante et transporter dans votre mallette pour votre nuit d'observation. Et puis une checklist, une carte du ciel, voilà, des textes d'explication. Voilà. Vous choisissez ce que vous voulez voir sur votre PDF, hein. Je vous laisse regarder ça à tête reposée. La carte du ciel, vous pouvez également, donc la carte du ciel, la couleur du fond, les légendes, les objets, les constellations et les étoiles, choisir les couleurs. Donc là, on est sur les couleurs.
Donc les étoiles en noir, les constellations, donc les lignes qui relient les constellations, on peut les mettre par exemple en rose, hein, pourquoi pas. Les objets observés, je vais les mettre en orange, fluo. Les légendes, donc s'il y a une légende, c'est-à-dire le nom des choses, je sais pas, on va les mettre en bleu. Et puis la couleur du fond, moi je le mets en blanc généralement, parce que on vous le propose en noir, mais en noir, quand il fait noir et qu'on a une petite lampe rouge pour s'éclairer, un fond de couleur noire, bah, vous verrez rien. Donc je vous conseille de le mettre en blanc. Et ensuite vous validez, et ensuite vous générez la soirée en cliquant sur ce bouton. Vous avez ici toutes les caractéristiques que vous avez déjà rentrées, c'est-à-dire votre lieu d'observation. Il vous reste à choisir la date d'observation, donc là c'est la date du jour, avec l'heure d'enregistrement de cette vidéo. Donc par exemple, si moi je veux regarder quelque chose qui va se passer le 15, donc dans 2 jours, à 20h, donc 20h, c'est du 20, hop, ici, il faut aller dans l'autre sens, voilà, je vais le marquer au clavier, ce sera mieux, voilà, 00. La durée d'observation, alors combien de temps vous allez consacrer, par exemple moi je vais mettre de 20h à 23h, 3 heures d'observation, non pas 4, 3 heures, et la durée d'observation de chaque objet que je souhaite faire, donc moi je ne veux pas juste regarder les choses, je vais pouvoir les dessiner, donc ce que je vais lui demander c'est généralement j'observe pendant 10 minutes et je dessine pendant généralement un quart d'heure, donc 10 plus 15, 25, 25 minutes. Je peux choisir le nombre d'objets maximum, c'est-à-dire que voilà, je peux lui dire j'en veux 9, mais bon, il va vous choisir, même si vous mettez 8, il va pas vous en mettre 8 parce que vous avez 3 heures d'observation et vous avez 25 minutes par objet, donc par définition, vous n'allez pas pouvoir faire plus de 6 objets normalement. Donc ouais, je vais laisser à 5 et puis je vais décocher, de toute façon il va me le calculer automatiquement. L'horizon dégagé, ah ça c'est génial. Au nord, j'ai ma maison. À l'ouest, j'ai les jardins de mes voisins, les lampadaires et leurs maisons. Au sud et à l'est, j'ai une horizon dégagée. Donc, je vais pouvoir regarder cet horizon. Je choisis mon niveau d'expertise. Débutant, amateur, amateur confirmé. Hein, vous pouvez choisir expert. Allez, on va choisir débutant. Hein, comme ça, au moins, on aura des objets faciles à observer. Choisir une constellation. Bah, voilà. Vous avez les 88 constellations recensées, vous pouvez tout cocher ou tout décocher. Si vous décochez tout, eh ben vous choisissez voilà, les nébuleuses que vous voulez regarder, Orion, Persée, les Gémeaux, voilà. Comme vous voulez, moi je vais tout cocher, comme ça au moins il va me proposer les objets les plus intéressants dans tout le ciel. Et je valide. Je vais choisir ensuite mon télescope ou ma lunette. Donc là, ma petite Astro Junior Brasseur que j'adore, et je génère ma soirée. Hop. Voilà. Et la galaxie du triangle M33, I1848, NGC 2281, M35 et M3. Et j'ai ici ascension et déclinaison, les magnitudes, donc des magnitudes adaptées à ma lunette, hein, 5,7, 6,5, 5,4, 5,1, 6,4, c'est les choses qui sont visibles. Vous avez les constellations, triangle Cassiopée, cocher, Gémeaux, chien de chasse, la difficulté de pointage, très facile, facile, voilà. L'intérêt remarquable, intéressant, bon ça, ouais, ça c'est subjectif. Mais vous avez ensuite les heures d'observation, de 20h à 20h25, de 20h35 à 21h, de 21h10, voilà, tout est programmé, vous avez juste à suivre le schéma. Ce qu'on peut aller voir, c'est le PDF, donc le PDF il est ici, je clique dessus et on va générer le document de la soirée. Je vais écraser une soirée que j'ai déjà programmée, celle du 15-03, hein, donc c'est la même, hop. Voilà, la soirée a été générée, je vais pouvoir l'ouvrir, j'ouvre mon document soirée astro 15. Je vais mettre ça en grand, je vais réduire le volet pour qu'on puisse bien voir les choses. Donc vous avez la page la page de garde, hein, avec joli dessin, la date, le lieu. La checklist de tout ce qu'il ne faut pas oublier.
la lampe rouge, le laser, les vêtements, le goûter, le stylo, etc., le café. Le planning d'observation, donc là où je vous explique grosso modo ce qui se passe là en dessous. Mais avec un conseil, c'est de sortir le télescope ou la lunette à 18h30 pour la mettre en température. Donc ça, c'est super sympa. Le premier objet, la galaxie du triangle M33. Objet remarquable de 62 secondes d'arc. C'est une galaxie. Je vais l'observer dans ma première période d'observation. J'ai sa magnitude. Ici, j'ai ses coordonnées pour les montures équatoriales. Ici, j'ai ses coordonnées pour les montures azimutales. Et l'oculaire qui me sera proposé, c'est d'utiliser mon 32 mm. Vous avez à chaque fois une recommandation par rapport à votre matériel, tout simplement. Voilà, donc tout est décrit. Ensuite, hein, une amas et nébuleuse. I1848 avec toujours mon oculaire de 32 mm, 60 secondes d'arc, donc un objet assez étendu, d'où le 32 mm. Ensuite, un amas ouvert à observer avec un oculaire de 10 mm. Donc là, on va resserrer le champ d'observation parce que, effectivement, 15 secondes d'arc. Hein. Ici, on va en choisir un oculaire de 20 mm pour regarder un amas ouvert de 28 secondes d'arc. Hein. Toujours pareil, donc avec un petit visuel à côté, c'est toujours très sympathique. Un amas globulaire pour donc M3 hein, avec mon 10 mm. Et ensuite, vous avez la carte du ciel avec les différents objets M33, etc. Voilà, ici M35. Les constellations qu'on a demandé de mettre en rose sur un fond blanc avec les étoiles en noir. Voilà. Ça, c'est quelque chose de sympa. C'est pas terrible au niveau carte, c'est assez léger. Hein. Donc ensuite, vous pouvez affiner les choses. Hein. M33 ici. je vous conseille de prendre Stellarium. Voilà. Alors, hop, on va fermer. Et puis, je vais sauvegarder, donc enregistrer cette soirée d'observation du 15-03. Donc là, je vais écraser une ancienne tentative hein, que j'avais fait. Voilà. Tout est réussi. Voilà. Donc, Astrogénérateur, franchement, je trouve ça super, trop cool.